Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, je tiens avant tout à remercier le secrétariat du Forum des pays vulnérables pour les efforts fournis durant toute la période écoulée afin d'aboutir, sous la présidence active du Ghana, à préparer le communiqué d'Accra-Kinshasa, qui reflète une position commune à présenter à la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue à Sharm el-Sheikh au mois de novembre 2022. Je tiens également à saluer le Bangladesh qui a assuré la présidence du forum durant le mandat précédent. Ce communiqué a mis en exergue les priorités des pays vulnérables sur des questions majeures liées au changement climatique, comme par exemple l'engagement et les mécanismes pour les pertes et dommages, une adaptation accélérée, le renforcement de l'ambition en matière d'atténuation ainsi que la réponse aux besoins des pays en matière de financement. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos pays souffrent de plus en plus des impacts croissants des changements climatiques sur les ressources et les écosystèmes naturels, sur les secteurs économiques et le développement en général. En effet, la rapidité des impacts enregistrés du changement climatique et la fréquence des extrêmes climatiques rend les mécanismes d'ajustement et le savoir-faire traditionnel insuffisants. Les changements climatiques sont aujourd'hui un enjeu écologique, socio-économique, voire sécuritaire. S'ils n'épargnent personne, ce sont les plus pauvres qui en souffrent le plus, car ils n'ont pas les mêmes moyens d'adaptation. Avec l'amplification du phénomène, le bien-être des populations et leurs revenus se détériorent. En Tunisie, nous constatons que les impacts des changements climatiques affectent particulièrement les populations et communautés pauvres et vulnérables, notamment les femmes rurales, qui ont une capacité limitée à s'y adapter. Pour y faire face, notre pays a confirmé sa volonté politique en termes d'accords pour le climat et d'actions à travers différentes activités et mesures, parmi lesquelles l'élaboration et l'actualisation de la contribution déterminée au niveau national avec des objectifs ambitieux dans le domaine de l'atténuation, de l'adaptation et des moyens de mise en œuvre. Également l'élaboration d'une stratégie nationale de développement neutre en carbone résilient au changement climatique, en vue de contribuer à atteindre l'objectif global qui consiste à contenir le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle, tout en poursuivant l'effort pour parvenir à limiter cette hausse à 1,5 degré. La mise en œuvre de la CDN actualisée nécessite la mobilisation d'importantes ressources financières, estimées à environ 20 milliards de dollars des États-Unis sur la période 2021-2030, dont 14 milliards de dollars pour l'atténuation et 5 milliards pour l'adaptation et les mesures d'accompagnement. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre effective et efficace de ces objectifs demeure fortement tributaire de la disponibilité des ressources financières, à travers une meilleure clarté des objectifs mondiaux en termes de financement. En effet, aggravée par les circonstances actuelles et émergentes dues à la pandémie et la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, la situation délicate de nos économies requiert des réponses rapides pour soutenir les secteurs en difficulté. Ainsi, pour faire face à ces besoins d'investissement accrus, ces financements doivent être plus durables et prédictibles et prendre en considération les principes de l'équité, la responsabilité commune mais différenciée, ainsi que les capacités respectives des pays. Je demeure convaincue que la lutte contre les changements climatiques n'est plus uniquement l'affaire des gouvernements, mais une responsabilité collective et partagée par tous les acteurs de la société, plus particulièrement le secteur privé. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Tunisie renouvelle son engagement ferme de contribuer à la protection de la planète contre les effets des changements climatiques, ainsi que son adhésion aux aspirations exprimées par le Forum des pays vulnérables dans le communiqué d'Accra-Kinshasa pour la COP27. En réitérant mes remerciements au comité d'organisation et à la présidence ghanéenne pour son leadership, je souhaite plein succès